Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Vous devez présenter une œuvre d'art en peu de temps, mais de manière complète et efficace pour l'oral de brevet, le bac français ou pour un exposé? Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Marie Astrid, je suis professeure de français et je vous propose une vidéo qui vous aidera à bien préparer et structurer une présentation orale de qualité. Mes conseils porteront sur la présentation d'une œuvre d'art, mais à vrai dire, la technique que je vais vous donner fonctionne avec tout type de sujet. Pour le matériel, voici ce dont vous avez besoin. Une feuille, blanche si possible, que vous prendrez en format paysage, c'est-à-dire à l'horizontale. Il vous faut aussi un crayon papier et une gomme. Ces outils indispensables vont vous servir à tracer une carte mentale. Vous le savez sans doute, sinon je vous encourage à voir la vidéo que je mets en lien. Au centre d'une carte mentale figure son sujet, ici le titre de l'œuvre choisie. Puis vous dessinerez des sortes de branches qui vous permettront de répondre aux questions sous-entendues dans la phrase « CQQ s'est occupé » qui n'est pas très élégante mais très pratique face à n'importe quel sujet. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'ordre, cela donne « comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi ». Pour ma part, je vais réorganiser ces questions d'une façon qui me semble plus pertinente, mais vous allez voir ça. Au-dessus de votre titre, et parce qu'une carte mentale se lit dans le sens des aiguilles d'une montre, écrivez tout de suite la question « quoi ?» que vous remplacerez par les plus jolies « qu'est-ce ?» ou « qu'est-ce que c'est ?» lorsque vous ferez de cette carte une version plus soignée. Ici, vous devez qualifier en quelques mots précis le type d'œuvre d'art auquel vous avez affaire. Tout d'abord, vous pouvez utiliser l'une des six grandes familles d'expressions artistiques définies par l'Éducation nationale lorsque l'oral d'histoire des arts a été inventé pour le brevet. Grande famille d'art à laquelle chacun pense en premier, les arts du visuel qui cachent de nombreux sous-genres, je donnerai ici les plus courants. Votre œuvre est-elle une image fixe ou une image animée? S'agit-il d'une peinture ou d'une photographie? Et dans ce cas, est-elle argentique ou numérique? N'entrez tout de même pas trop dans les détails à ce stade, il s'agit d'être précis mais bref, vous pourrez développer ces points plus tard, vous le verrez. J'énumère plus rapidement les autres catégories d'art, les arts du son qui cachent toutes sortes de musiques et de chansons, mais aussi les arts du spectacle vivant qui regroupent notamment le théâtre, la danse, les arts du cirque. Les arts de l'espace englobent ce qui a trait à l'architecture, à l'urbanisme, à l'art des jardins. L'art du langage, quant à lui, rassemble toutes les formes de littérature qui existent. Et bien entendu, il faut préciser cette catégorie en détaillant le genre roman, poésie, conte et sous-genre roman policier ou dystopie pour prendre un genre qui est vraiment celui du moment. Mais reconnaissez qu'il serait dommage d'oublier les arts du quotidien qui rassemblent les arts décoratifs, le design, la gastronomie ou la mode. Et que dire des arts qui débordent de ces catégories un peu étroites, comme la bande dessinée, le théâtre ou plus encore l'opéra? Dites alors qu'elles sont à la croisée de plusieurs pratiques artistiques, et ce sera très bien ainsi. Après avoir décrit votre œuvre grâce au quoi, il faut maintenant penser au qui. De qui, par qui est signée cette œuvre, qui en est l'auteur ou l'autrice? Peut-être faudra-t-il donner plusieurs noms d'artistes, comme pour Le Malade imaginaire, signé par Molière pour le texte, Charpentier pour la musique, Beauchamp pour les ballets. Ici, vous pouvez aussi vous demander pour qui cette œuvre d'art a été produite. Poursuivons ensuite avec les questions « quand » et « où ». Qu'il est bon de traiter ensemble, c'est plus facile. Quand et où l'œuvre a-t-elle été composée, c'est-à-dire conçue d'abord sur le papier? Quelle est sa date de création, c'est-à-dire quand est-elle née sur scène, s'il s'agit d'une pièce de théâtre par exemple? Si vous commentez un spectacle que vous avez vu, quand et où avait lieu cette représentation? Où la sculpture, le dessin sont-ils conservés et depuis combien de temps? Attention, dire où et quand une œuvre a été créée ne vous dispense pas d'évoquer plus amplement son contexte. Dire que le journal d'Anne Frank a été écrit entre 42 et 44 à Amsterdam n'est pas suffisant, vous vous en doutez. Passons au comment. Comment cette œuvre a-t-elle vu le jour? C'est le moment de donner plus de détails sur les techniques, les méthodes employées par l'artiste choisi. Vous pouvez aussi rappeler en combien de temps, de jours ou d'années, l'œuvre a été créée. Poursuivons avec le combien.
Cela peut paraître étrange dans un sujet littéraire ou artistique de parler de chiffres, et pourtant je vous l'assure, citer des nombres impressionne vos auditeurs, même s'ils les auront oubliés dans un instant. Dans combien de pays cette œuvre a-t-elle été diffusée ou jouée? Dans combien de langues est-elle traduite? Combien de visiteurs reçoit-elle chaque année? S'il s'agit d'une œuvre qui est estimée à un certain prix, dites-le, cela amusera certainement votre jury. Pour finir, voici le pourquoi, qui est la plus importante des questions pour l'oral de brevet ou pour la présentation d'une œuvre au bac français. Pourquoi avez-vous choisi de présenter cette œuvre? Pourquoi vous a-t-elle émue ou bousculée? C'est le moment de dire en quoi cette œuvre a modifié votre regard sur le monde ou la vie en général. Même si cette phrase ne vous vient pas du premier coup, c'est le genre d'expression qui fait plaisir à un jury, enfin, surtout si vous êtes capable de vous justifier ensuite. Pourquoi cette œuvre a-t-elle été faite? Quelle était l'intention de son auteur? Pourquoi éclaire-t-elle l'époque qu'il a vue naître? Et en quoi entre-t-elle en écho avec d'autres œuvres d'art que vous pouvez connaître? Ici, en trouvant les questions les plus pertinentes, vous êtes en train de déceler cette fameuse problématique que certains professeurs vous demandent dès l'oral de brevet, et vous voyez qu'il s'agit finalement d'une question d'importance annoncée au début de votre présentation et à laquelle vous répondrez tout au long de votre exposé. Pour reprendre un exemple avec le journal d'Anne Frank, les problématiques pourraient être « Pourquoi cette œuvre est-elle devenue si emblématique de la Seconde Guerre mondiale ?» ou « Pourquoi l'œuvre presque involontaire d'une adolescente de 13 ans écrivant son journal est-elle si touchante aujourd'hui encore ?» ou même « Pourquoi Anne Frank a-t-elle éprouvé la nécessité d'écrire ce journal ?» Un dernier conseil, au début de votre présentation, n'oubliez pas de sourire et de transmettre votre émotion en étant dynamique et enthousiaste. Si vous en voulez une, donnez votre problématique après vous être présenté et rythmez votre exposé avec des interrogations rhétoriques auxquelles vous répondrez. Comment cette œuvre d'art a-t-elle été créée? Elle a été créée à tel endroit, etc. Entraînez-vous bien à la maison et faites votre présentation avec votre carte mentale. Si vous êtes inquiet ou inquiète, regardez ma playlist spéciale pour assurer à l'oral. Allez, je compte sur vous pour faire de cette présentation, sinon un chef-d'œuvre, du moins un bon moment de partage avec vos professeurs. Merci de vos pouces bleus et de vos commentaires. N'hésitez pas non plus à me poser des questions. À très bientôt.